ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je continue directement la suite de la sira. Je rentre directement à la suite du sujet. Je dis qu'après toutes ces tentatives pour étouffer la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nombre de disciples, le nombre d'adhérents ne cesse de s'accroître. Et alors là, les Quraysh, ils ont fait une politique nouvelle. C'est qu'ils commencèrent à persécuter ces adhérents-là. Ils commencèrent à organiser une vaste persécution contre ceux des adeptes qui n'avaient personne pour assurer leur protection. On sait que le professeur sallam a été protégé par qui? Par Abu Talib et par l'Ibn al-Muttalib aussi, par ses oncles. Et Abu Bakr aussi, il a eu un degré de protection. Mais les esclaves, les pauvres, ceux qui n'ont pas de lignée héréditaire bien noble, ils ont subi les plus mauvaises persécutions. À savoir, parmi ceux-là, fut Bilal, radiyallahu anhu. Bilal, et celui qui s'occupe de Bilal, c'est qui? C'est Umayy ibn Khalaf. Umayy ibn Khalaf, il le sortait dans le désert sous le soleil brûlant. Il le mettait sur le sol brûlant. Et il mettait un rocher, une pierre, une grande pierre, soulevée par plusieurs hommes, et il la mettait sur la poitrine de Bilal. Et il lui dit, il faut que tu renies cette religion. On ne te laissera pas, sauf si tu adores Allah al-Azza et tu te désavoues de cette nouvelle religion. Et Bilal radiyallahu anhu ne fait que dire ahadun ahad, hein, unique, la ilaha illahu, ahadun ahad, ne fait que répéter ces mots-là. Plus tard, on demanda à Bilal, on lui demanda pourquoi tu as choisi ahadun ahad. Il a dit, j'ai lancé plusieurs mots, mais je n'ai trouvé de mots qui les intriguent et qui les met en colère que ce mot-là, alors je le répétais. Ahadun ahad, ahadun ahad. Parmi ceux qui ont subi aussi les sévices les plus intenses, parmi lesquels l'esclave de Bani Mu'ammil, c'est une esclave qui a embrassé l'islam. Et celui qui s'occupait d'elle, c'est Omar ibn Khattab, avant sa conversion. Omar. Et l'esclave, il n'est même pas son maître, elle n'est pas son esclave. Et il ne fait pas partie de sa famille, pourtant il se met comme volontaire et pour la torturer. Déjà avant, parce que les Quraysh ont dit, pour qu'il n'y ait pas de différend entre nous, chaque famille va supplicier, va torturer les adeptes de sa famille, pour qu'il n'y ait pas de divergence, qu'il n'y ait pas de différend. Mais là, Omar ibn Khattab, il s'est mis volontaire pour torturer cette pauvre femme. Il la torture jusqu'à ce qu'il se lasse. Et puis il se rapproche d'elle, il dit, pardonne-moi, il dit, j'ai pas arrêté par pitié, mais parce que je suis fatigué. Et elle, il lui dit, c'est Allah qui a voulu que tu sois fatigué, que tu te fatigues si vite, c'est Allah qui a voulu. Mais parmi les plus hostiles envers les musulmans, les nouveaux adeptes, fut Abu Jahl. Abu Jahl, il s'occupait de qui? Il s'occupait de Soumaïa. Et il s'occupait de Ammar ibn Yasir. Soumaïa, c'est la mère de Ammar. Et il s'occupait du père de Ammar. Il les faisait sortir dans le désert. Et leur fait subir des supplices sous le soleil brûlant. Et
ils étaient tellement hostiles qu'il les fait souffrir à un degré vraiment insupportable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la famille de Yasser, il a dit à Soumaïa et son mari et à Ammar ibn Yasser, quand il les a vus dans cet état, il leur a dit: attendez, patientez, El Yasser, votre rendez-vous sera le paradis. Espero, El Yasser, fa inna maw'idakum al-jannah. Alors les supplices s'accentuèrent, et un jour, Abu Jahl, il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant Soumaïa, radiallahu anha, la mère de Ammar ibn Yasser, et il a répondu à Abu Jahl, il s'est mis en colère, puis il a pris sa lance et il l'a transpercée, et il succomba et fut la première martyre en islam. Awwal shahida fil islam. La première martyre en islam fut Soumaïa, radiallahu anha. Son mari aussi, il a succombé aux tortures. Il n'a pas pu supporter. Il était vieux, il n'a pas pu tenir les sévices, il n'a pas pu supporter les supplices. Alors les supplices les plus atroces furent alors utilisés contre la personne de Ammar. En plus de la torture physique, la torture morale par la mort de ses parents. Il a vu la mort de ses parents devant lui. Et alors là, Abu Jahl et son groupe, ils ont dit à Ammar: nous ne te lâcherons que lorsque tu insulteras Muhammad et glorifieras Allah ou Al-Uzza. On ne te lâchera pas. Les tortures vraiment s'accentuèrent jusqu'au point où il n'a pas pu supporter et il s'est exécuté. C'est-à-dire, il a dit ce que eux, ils veulent de lui. Alors on le lâcha. Ammar venu à se désemparer et troublé par ce qu'il a dit. Il est allé vite voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: j'ai fait un grand péché, j'ai dit une parole de mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: comment elle est ta conscience, comment elle est ton cœur, est-ce que tu as dit ça par ton cœur? Il a dit: non, ma conscience est tranquille, mon cœur, je crois toujours, je l'ai dit juste par la bouche, par la langue, mais mon cœur, il est toujours propre, mon cœur, il est toujours soumis. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ammar: la prochaine fois, s'il te redemande de le dire, refais-le. Et Allah subhanahu wa ta'ala révéla: man kafara billahi min ba'di imanihi إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الله غفلا دون سورة النحل سورة الزبي دون الفرسي 106: quiconque a renié Allah après avoir cru sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux la colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Donc celui qui est contraint de dire la parole du kufr, reste à mesurer cette contrainte. Celui-là, s'il l'oblige à dire la parole de mécréance, il est autorisé de le dire. D'accord? Mais celui qui ouvre sa poitrine à la mécréance, c'est celui-là qui mérite vraiment le châtiment d'Allah. Déjà, l'un des compagnons a raconté qu'il subissait des supplices au point quand on leur dit « Est-ce que Lat et l'Uzza, c'est votre divinité ?» Ils disent « Oui ». Jusqu'au point quand un scarabée il passe à côté d'eux, il dit « Celui-là est en Dieu ?» Il dit « Oui ». C'est-à-dire le degré des supplices qu'ils ont subi. Les plus atrocement torturés aussi fut Khabbab ibn al-Aras. Khabbab, radiyallahu anhu. Plus tard, au moment de la khilafa de Omar, Omar ibn al-Khattab lui posa une question, lui a dit « Quel est le supplice le plus atroce que tu as subi ?» Il a dit « Ya Amir al-Mu'minin, émir des croyants, le supplice le plus atroce que j'ai subi, c'est ceci. » Il a montré son dos à Omar. Et son dos, il est plein de trous, et des trous noirs.
Omar ibn Khattab s'est étonné. Il a dit, comment ont-ils fait ça? Il a dit, ya Amir al-Mu'minin, ô émir des croyants, ils ont pris des cailloux et ils les ont mis dans le feu jusqu'à ce que ces cailloux soient comme des braises. Et ils ont étalé ces cailloux-là par terre et ils m'ont déshabillé et ils m'ont traîné sur ces cailloux-là jusqu'à ce que tu vois, jusqu'à ce que mon dos s'est fait trouer, s'est fait brûler, jusqu'à ce qu'il a laissé les traces que tu vois. Le degré de torture, le degré du supplice qu'ont subi les meilleurs des compagnons. Après avoir subi après avoir subi ces supplices-là, les compagnons allèrent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète était allongé à l'ombre de la Kaaba, la tête appuyée sur un manteau. Ils lui dirent, ô messager d'Allah, Quraysh nous a fait subir le plus grand supplice, que n'appelles-tu pour nous le secours d'Allah, que ne pries-tu pour nous? Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rougit et les expressions de son visage changèrent et il dit, parmi ceux qui vivaient avant vous, en prenez l'un d'eux, en creusez un trou et on le mettait dans ce trou-là et on mettait la scie sur sa tête et on le sciait en deux. Et on sciait cette personne-là en deux. Et ou bien on prenait des peines en fer. On prenait des peines en fer qu'on passa sur le corps de la personne jusqu'à arracher ses muscles, jusqu'à arracher sa peau, mais cela ne le détourne jamais de sa religion. Il s'accroche toujours à sa religion. Cela n'arrivait pourtant pas à lui faire renier sa religion. C'est un hadith rapporté par Muslim et autres, et par le Bukhari aussi. Puis il continue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par Allah, il accomplira cette chose, c'est-à-dire l'islam, jusqu'à ce que le voyageur aille sur sa monture de San'a à Hadramaut, ne craignant qu'Allah ou le loup pour ses troupeaux. Mais vous êtes impatients. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va accomplir cette religion au point que le voyageur va voyager en sécurité sans qu'il y ait des gens qui lui barrent le chemin. C'est-à-dire, il va voyager tranquillement. L'islam va être propagé dans tout le monde, dans toute la péninsule et même les régions environnantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, c'est pour les raffermir. Il leur a dit, voilà, si vous avez subi ces supplices-là, ceux qui vous ont précédé ont subi pareil. Alors patientez. Patienter. Parce que c'est avec les preuves qu'on distingue les véridiques des menteurs. Alif lam mim. Ahasib al-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate l'Ankabout. Alif lam mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons, sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui sont véridiques et ceux qui mentent. C'est avec les épreuves qu'on fait la part entre le bon et le mauvais. Les véridiques et ceux qui mentent. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah nous distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants? On va rentrer au paradis comme ça, il faut les épreuves. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Pensez-vous, comptez-vous rentrer au paradis sans qu'il vous ait parvenu l'histoire de ceux qui vous ont précédé? خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. Ils ont été touchés par la misère, la famille, et ils étaient secoués. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Jusqu'au point que le prophète et ceux qui ont cru avec lui disent, quand est-ce que vient le soutien d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. D'autres aussi ont subi ces supplices-là, parmi lesquels Amir ibn Fuhayra,
et Abu Fukayha, parmi les femmes Zinnira, Ubays, Labiba, Nahdiya, tous ces gens-là, ses compagnons, radiallahu anhum, ont subi beaucoup de supplices. Abu Bakr, durant cette période de difficulté, il a racheté avec son argent, il a racheté Bilal et l'a franchi, il a racheté Abu Fukayha, il a racheté Ubays, il a racheté Zinnira, il a racheté Nahdiya et sa fille, la fille de Nahdiya qui est l'esclave de Bani Mu'ammil. Et la persécution ne s'arrêta pas aux esclaves et opprimés. Il toucha aussi Zubair ibn al-Awwam, il toucha Sa'd ibn Abi Waqas, il toucha Uthman ibn Affan. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que les persécutions s'acharnaient de plus en plus sur ses compagnons, il leur dit, si vous allez au pays des Abyssins, vous y trouveriez un roi sous la tutelle de qui personne ne subit d'injustice. C'est un pays de vérité. Vous y resteriez jusqu'à ce qu'Allah vous délivre de ce dont vous souffrez. Un pays, chez les Abyssins, il y a un roi sous la tutelle de qui personne ne subit d'injustice. Le Négus. Le Négus, c'est l'été mécréant. Mécréant. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué une de ses qualités. Malgré sa mécréance, il a dit c'est un homme de justice. Ça, c'est une leçon pour nous les musulmans, de ne pas étaler les défauts de nos frères devant tout le monde. Ça, c'est une leçon pour nous. Le premier à avoir émigré, le premier, fut Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, et sa femme, Ruqayya, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rapporté par Muslim et autres, a dit le premier à avoir émigré pour la cause d'Allah après le prophète Lot fut Uthman. Le premier à avoir, depuis le peuple de Lot et Lot alayhi salam. Depuis Lot, le premier juste après lui fut qui a émigré pour la cause d'Allah fut Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ont émigré également Zubair ibn al-Awwam, Mus'ab ibn Umair, Abu Salama et Salama, Uthman ibn Mad'un et autres. Abu Bakr aussi. Abu Bakr, au début, il a demandé au Prophète l'autorisation d'émigrer. Et après deux jours de marche, il rencontra en chemin Ibn Durunna. C'était un chef d'une tribu. La tribu s'appelle la tribu des Ahabis. C'était le mélange des esclaves et mélange d'autres tribus. Et alors Ibn Durunna, le chef de cette tribu, a dit à Abu Bakr, où est-ce que tu vas? Il a dit, je vais dans un pays où on ne me persécute pas parce que mon peuple, il me persécute, mon peuple, il m'a fait beaucoup de mal. Il a dit, toi qui es connu par l'hospitalité, toi qui aides les pauvres, comment ça se fait toi tu ne mérites pas qu'on te chasse? Alors, tu seras sous ma protection. Tu reviens à la Mecque et tu seras sous ma protection. Rentré à la Mecque avec Abu Bakr, Ibn Durunna proclama très haut, « Ô Quraysh, Ibn Abi Quhafa, parlant de Abu Bakr, est sous ma protection. Personne ne l'inquiète. » C'est-à-dire, il est sous ma protection. Si quelqu'un lui fait du mal, alors j'attaquerai la Mecque avec toute la tribu des Ahabis. Là, les kuffars de Quraysh ont accepté. Et alors Abu Bakr, d'habitude, il lisait le Coran chez lui à la maison. Après, il trouvait mieux qu'il fasse une mosquée à la cour, près de la cour de sa maison. Il l'a entouré de murs et il a fait une petite mosquée à l'extérieur de sa maison, là où il priait, il lisait le Coran. Alors il sortait, puis il prenait certaines feuillets de révélation et il lisait le Coran. Mais Abu Bakr, il est tendre, il est toujours touché par les versets du Coran. Et il ne peut pas s'empêcher de pleurer.
Et alors là, les enfants et les esclaves de Quraysh et certains passants, quand ils l'écoutent, ils l'attendent. Ils le regardent, ils voient comment cette personne, ils vénèrent ce livre-là. Alors là, cette pratique a intrigué les Quraysh. Et ils ont appelé Ibn Dhurunna, le chef qui a dit, moi je protège Abu Bakr. Et ils lui ont dit, écoute, tu protèges cette personne pas pour nous nuire. Là, il est en train de lire le Coran, la parole de Mohammed, comme ils prétendent. Et il insulte nos divinités, et encore plus, ils attirent nos enfants vers lui et tout. Donc, soit que tu lui dis qu'il rentre chez lui, qu'il lit le Coran chez lui, ou bien tu renonces à sa protection. Ibn Dhurunna est venu voir Abu Bakr, radiallahu anhu. Il lui a dit, je ne t'ai pas accordé ma protection pour nuire au Quraysh. Ibn Dhurunna, c'est un mécréant, kafir, comme Quraysh. Et si tu veux lire le Coran, lis-le chez toi. Abu Bakr lui a répondu, ma religion est ainsi. Il a dit, non. Ma condition, c'est que tu lis le Coran chez toi, tu ne lis pas à l'extérieur. Alors Abu Bakr a répondu, il a dit, je n'ai pas besoin de ta protection. Et je compte sur celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je compte sur la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, Ibn Dhurunna a déclaré à Quraysh, il a dit, Ibn Abi Quhafa a renoncé à ma protection. Disposez-vous de votre homme comme vous le voulez. Maintenant, il est plus sous ma protection. Alors là, les hostilités s'accentuèrent sur Abu Bakr. On a mis de la terre sur sa tête, on l'a insulté et tout, mais il a patienté et il a résisté. Et il est resté à la Mecque. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'Abu Bakr reste à la Mecque pour encore soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et être avec lui durant l'immigration. Durant la deuxième l'immigration vers Médine. Ça, s'agissant de Abu Bakr. Omar ibn al-Khattab était l'un des plus violents envers les musulmans. Il était très virulent vers les musulmans. Mais la première fois à exprimer une certaine affection, une certaine mollesse, c'est lors de l'émigration vers l'Abyssinie, quand certains compagnons commencèrent à quitter la Mecque. Ils la quittèrent discrètement pour ne pas déranger les Quraysh, pour ne pas les réveiller, parce que sinon ils empêcheraient les compagnons d'émigrer. Alors là, l'histoire de la conversion de Omar, comment il s'est effectué, comment il s'est fait, c'est qu'une femme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'appelle Layla Umm Abdillah. Layla Umm Abdillah, une femme qui s'est convertie ainsi que son mari et son fils. Et elle s'apprêtait à quitter la Mecque. Elle fixa rendez-vous avec son fils Abdullah derrière une montagne. Son fils l'attendait et puis elle a pris ses bagages, ce qu'elle pouvait porter, son âne et tout, marchant discrètement, se faufilant la nuit, puis se retrouva face à face avec Omar ibn Khattab. Face à face devant lui. Et puis il lui a dit, vers où, Umm Abdillah? Il a aïn, ya Umm Abdillah. Et puis, Umm Abdillah, il a répondu, vous nous avez persécutés. On part vers la terre d'Allah. Là où on ne nous persécute pas. Laissez-nous tranquilles et on vous laissera tranquille. Là, Omar, il s'est montré conciliant devant cette femme. Il lui a dit, c'est donc la séparation, Umm Abdillah, parce qu'il y avait beaucoup de liens de parenté, et eux, ils respectent beaucoup le lien de parenté. Il a dit, c'est donc la séparation, et elle a dit oui. Et puis Omar ibn Khattab a répondu, que le salut d'Allah t'accompagne, que le salut d'Allah t'accompagne. Là, il rejoint son mari, Amir ibn Abdillah.
cette femme rejoint son mari, Amr ibn Abdullah, et lui a dit, est-ce que quelqu'un t'a vu? Elle a répondu, personne ne m'a vu, sauf Omar. Omar, Omar t'a vu? Quelle catastrophe! Omar t'a vu? Et comment ça se fait qu'il ne t'a pas arrêté, qu'il ne t'a pas empêché? Il a dit, plus que ça, il m'a répondu, que le salut d'Allah t'accompagne. Puis lui, il a regardé comme ça, et puis il lui a dit, espères-tu que cet homme se convertisse? Tu espères de lui qu'il se convertisse? Il a dit, oui, avec le temps qu'il a utilisé avec moi, peut-être qu'il commence à avoir un certain lien avec l'islam et il commence à se rapprocher. Et là, son mari a dit, crois-moi, par Allah, Omar, cet homme ne prononcera le shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cet homme ne prononcera la shahada sauf si l'âne de l'Khattab prononce la shahada. Si, jusqu'à quel point il désespère? Il désespère de... Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Il a dit, si l'âne de l'Khattab, il prononce la shahada, alors là, Omar, on peut s'attendre à ce qu'il prononce la shahada. C'est une version authentique rapportée par l'Haythami et Tabarani. Alors, on sait qu'Omar ne s'est pas ramolli devant cette femme parce qu'elle est musulmane, mais par le lien de parenté, par l'honneur aussi de Quraysh. Il ne s'est pas ramolli à cause de l'islam. Parce qu'Omar, il vénérait beaucoup, il a été élevé dans la vénération de la Kaaba, et tous ces statuts-là, le lien de parenté, Abd Manaf, Bani Abdiddar, Bani Adi, il fait partie de Bani Adi, Bani Makhzoum, ils se partageaient les tâches. Et donc, lui, tout ça pour lui, il forme une seule entité, il forme une seule unité, ça, pour lui. Alors, quelle est cette personne qui est venue perturber tout ce désordre? Qui est cette personne qui a causé cette division au point qu'une femme quraishite, il quitte son pays vers l'Abyssinie? C'est pas normal. Comment ça se fait qu'il y ait une division, dans une même famille, il y a une division? Qui est l'origine de cette division? Qui est l'origine de cette division? La solution est claire, c'est Mohammed. Donc, je vais éliminer cette personne, comme ça, je rendrai l'ordre à la Mecque. Il se décida, il a pris son épée, il a dit je vais l'éliminer, point c'est tout, pour que tout retourne en ordre. Dans sa route, il rencontra un des hommes qui s'appelle Nu'aym ibn Abdillah al-Nahham. Et ce Nu'aym, il fait partie de son clan. Nu'aym est entré en islam, mais Omar, il ne sait pas. On a dit que l'islam est connu. L'islam, il est connu. Mais ceux qui rentrent en islam, là, chacun suivant sa foi. Il y en a qui montrent, il y en a qui ne montrent pas. Les gens, ils rentrent discrètement. Nu'aym ibn Abdillah al-Nahham, il a rencontré Omar et il a vu en lui, il a vu l'expression farouche qui se distingue du visage de Omar. Il lui dit, verrou Omar, verrou Ibn al-Khattab. Il a dit, je vais trouver Mohammed. Je vais trouver Mohammed, celui qui a divisé notre communauté et déclaré que notre façon de vivre est insensée et je vais le tuer directement. Nu'aym, il connaît Omar. Il connaît que s'il décide quelque chose, il va jusqu'au bout. Alors, il tenta de le retenir. Il a dit, si tu tues Mohammed, les Bani Abdul Muttalib, les Abu Talib, on connaît Abu Talib, en sa qualité de chef de clan, quand il protège quelqu'un, il ne baisse pas les bras. Ils vont te tuer. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Il a dit, même si je risque ma vie, je vais en finir avec cette histoire. Oulala, il n'a même pas peur de la mort. Même Abu Jahl et tous les autres, ils n'osaient pas aller jusqu'à tuer ou déclarer tuer Mohammed. Mais là, Omar, il a décidé et là, il a pris cette décision et il n'a même pas peur de la mort. Nu'aym, alors, il a dit, il faut une solution au moins pour avertir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Là, Nu'aym, il songea à un autre moyen capable de retenir Omar. Au moins suffisamment, comme j'ai dit,
pour avertir, pour donner l'alarme. Et alors là, sa manœuvre, il l'obligea à dire, pourquoi ne t'en prends-tu pas d'abord à ceux de ta maison, aux gens de ta propre maison, et ne régules-tu pas d'abord les comptes avec eux? Occupe-toi d'abord des gens de ta maison, et après tu t'occupes de Mohammed. Alors là, Omar il a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Awaqad saba'at Fatima, est-ce que Fatima il a apostasié sa religion? Parlons de sa sœur. Alors là, Omar fit demi-tour. Quand il a entendu ça, ça y est, il a dit, oh, je règle mes comptes avec ma sœur et après je vais régler mes comptes avec Mohammed après. Là, Omar fit demi-tour et alla voir sa sœur. Près de la porte, dans la maison de Fatima, la sœur de Omar, il y avait Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, le mari de Fatima, et il y avait une autre personne, Khabbab ibn al-Aras. Saïd ibn Zayd, c'est l'un des dix compagnons qui ont eu la bonne nouvelle d'être au paradis. Hein? Son père aussi. Bien que son père, on a parlé de son histoire, il est mort avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est resté monothéiste, il n'a pas adoré de statue. Rien qu'avec sa raison. Donc, Saïd ibn Zayd et Fatima avec Khabbab. Khabbab, il enseignait certains versets du Coran à Saïd ibn Zayd et à sa femme Fatima. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un rentre en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoie les plus anciens pour lui enseigner, pour lui donner certains enseignements sur cette religion, sur l'islam. Là, près de la porte, Omar entendit certaines paroles, il entendit certaines choses, mais sans distinguer vraiment. Il entendait une lecture, mais sans distinguer vraiment les mots. Et puis là, il tapa la porte à l'image d'un tyran. Là, Fatima, il a sursauté, il a su que c'est son frère. Déjà, il connut Omar ibn al-Khattab par sa tyrannie, il est de grande taille. Ils disent quand il monte un cheval, ses pieds, il arrive à toucher la terre, tellement il est grand. Et ils disent aussi de lui, il est grand et il est large. Ils disent, les compagnons parlant d'eux, ils disent, les seuls qui se distinguent quand on est en groupe, c'est Omar ibn al-Khattab et Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhuma. De loin, on les voit, ils sont de taille plus grande et plus large. À l'image d'un tyran, il a tapé la porte. Fatima a sursauté. Elle a su que c'est Omar. Alors là, qu'est-ce qu'elle a fait? Avec son mari Saïd ibn Zayd, ils ont rentré Khabbab ibn al-Aras et ils l'ont caché. Ils l'ont caché. On ouvrit la porte. Omar est rentré, il a dit, qu'est-ce que vous étiez en train de marmonner? Ils n'ont pas répondu. Il a dit, c'est la parole de Mohammed. Ils n'ont pas répondu. Puis il s'est adressé à Saïd ibn Zayd. Il a dit, tu as apostasié ta religion, tu as tourné le dos. Il a dit, non, mais j'ai embrassé l'islam. Alors là, Omar, en colère, il frappa Saïd ibn Zayd, que ce dernier se mit à saigner. Fatima, elle se leva pour protéger son mari, il la frappa également. Elle se mit à saigner elle aussi. Regardons cette scène où sa sœur est en train de pleurer, est en train de saigner, son mari est en train de saigner. Il a commencé à se ramollir, comment ça se fait qu'il frappe sa propre sœur? Et alors là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à sa sœur, donne-moi donc le texte que je vous ai entendu lire afin que je puisse voir ce que Mohammed a apporté. Alors sa sœur lui répond, je crains de te le remettre. Et la peur qu'il le déchire. Et là, Omar ibn al-Khattab a juré par toutes les divinités, il a dit, Wallati wal-Uzza, je rendrai le manuscrit comme il est après. Comme il est après l'avoir lu. Et il a juré. Fatima, voyant que son frère commençait à s'attendrir, et il espérait bien sûr de tout son cœur qu'il rentre en islam, il lui a dit, mon frère, ceci
est la parole d'Allah. Et toi, tu es souillé par ton idolâtrie. Si tu veux le lire, tu veux lire ces paroles-là, lave-toi. Omar, avide de lire ces paroles, elle est allée se laver et Fatima lui remit le texte. Dans le texte, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, illa tazkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqa al-arda, was-samawati al-ula, ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. طه, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, une révélation, descendue de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Istawa s'est établi sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, et ce qui est entre eux, et ce qui est sous le sol. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Là, ses paroles coulèrent dans l'oreille de Omar, jusqu'au dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala et Moussa alayhi salam. Wa ana akhtartuk fastami' lima yuha. Allah s'adresse à Moussa dans ces versets-là. Moi je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat comme rappel. Inni ana Allah, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyah. L'heure va certes arriver. Akadu ukhfiha, je la cache à peine. Litujza kullu nafsin bima tas'a, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Quelle éloquence, quelle beauté dans ces versets-là. Ces paroles-là, ils coulèrent dans l'oreille de Omar. Et ils tombèrent dans son cœur. Et son cœur commença à s'illuminer. Juste après, il a dit, montrez-moi Mohammed. Où se trouve Mohammed? Là, sallallahu alayhi wa sallam, là, Khabbab ibn al-Aras, il est sorti de la chambre. Il a dit, moi, je te montre où il est. Moi, je te montre où... Où il est le professeur. Alors, il lui indiqua qu'il était dans la maison de l'Arqam, Ibn Abi al-Arqam, à côté de Safa. Omar, il garda toujours son épée et se rendit à la maison de l'Arqam, près de Safa. Là, Nu'aym, qui a rencontré Nu'aym ibn Abdullah al-Naham, qui a rencontré Omar, qui a essayé de le retenir, a déjà averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils sont au courant, qu'ils savent que Omar, il est venu, il va venir pour, il s'apprêtait à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'attendaient. Ils attendaient Omar. Mais ils ne savaient pas ce qui s'est passé dans la maison de Fatima. Il ne savait pas. Omar est venu, il tapa à la porte, l'un des compagnons regarda par la fente de la porte, il a dit, ô messager d'Allah, c'est Omar. C'est Omar. Saint de son épée. Il a gardé son épée. Là, Hamza se leva. Hamza. Il a dit, ô messager d'Allah, laisse-le moi, je m'en charge. Je le tue avec sa propre épée. S'il veut du mal, je le tue avec sa propre épée. C'est vrai qu'Omar, c'est un tyran. C'est vrai, mais il ne peut pas tenir tête à Hamza radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hamza, Hamza, rentre dans la chambre. Rentre dans la chambre, c'est moi qui vais lui parler. Les compagnons, ils étaient étonnés, comment ça se fait? Hamza, c'est le protecteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et là, le prophète sallam, il va se mettre directement devant Omar, et en plus, il demande à Hamza de s'éloigner, de se cacher. Mais ils ont obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont obéi. C'est les compagnons du prophète, quand ils décident quelque chose, ils l'obéissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on ouvrit la porte. On ouvrit la porte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis face à face avec Omar ibn Khattab. Et alors là, face à face, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu Omar ibn Khattab par la ceinture et il l'a secoué. Omar, il a perdu l'équilibre, malgré sa grande taille, il a perdu l'équilibre, il est tombé sur ses genoux. Il est tombé sur ses genoux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est écrié: n'est-il pas temps, fils d'Al-Khattab? N'est-il pas temps, fils d'Al-Khattab, que tu te soumets? N'est-il pas temps, fils d'Al-Khattab, que tu te soumets? Qu'est-ce que tu attends pour entrer en islam? Qu'est-ce que tu attends pour embrasser l'islam? Tu attends qu'Allah t'envoie une calamité? Et Omar a dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et le prophète s'est écrié: Allahu Akbar. Les compagnons, ils étaient dans la chambre quand ils ont entendu Takbir, ils savaient. Ils ont su la bonne nouvelle. Et ils ont dit Allahu Akbar. Et ce Takbir, il a retenti aux alentours de la Mecque. Il a retenti au point que des gens ont dit que quelque chose d'anormal s'est passé, quelque chose d'anormal, d'extraordinaire qui vient d'arriver. Ils félicitèrent Omar ibn al-Khattab. Et alors là, Omar ibn Khattab, regardez le courage. Il leur a dit: qui est le plus virulent envers les musulmans? Celui qui est le plus virulent. Réponse directe: Abu Jahl. Abu Jahl. Il alla voir Abu Jahl. Il frappa à sa porte. Abu Jahl sortit, lui dit: la meilleure des bienvenues au fils de ma sœur. Qu'est-ce qui t'amène? Il l'a accueilli à bras ouverts. Et Omar, regardez le courage, il lui a dit: oh Abu al-Hakam, n'es-tu pas au courant? Il a dit: non, mais vraiment tu n'es pas au courant? Tu n'es pas au courant que je témoigne la ilaha illallah wa anna Muhammad al-Rasulullah? Et alors là, Abu Jahl, accablé de colère, il a dit: que tu sois maudit et que les nouvelles que tu lui as ramenées soient maudites aussi. Il a claqué la porte au nez de Omar. Omar ibn Khattab alors, il a demandé aux compagnons: qui de Quraysh qui répond le plus vite les informations et ne cache aucun secret? Qui de Quraysh répond le plus vite l'information et ne cache pas de secret? Alhamdulillah. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, demanda qui de Quraysh qui répond le plus vite l'information et ne cache pas de secret. Et lui ont répondu: Jamil ibn Mu'ammar al-Jumahi. Jamil ibn Mu'ammar ou Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Celui qui rapporte ce hadith, c'est Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab. Il était encore enfant. Abdullah ibn Omar, dans ce hadith, il a dit: j'ai suivi mon père et il retrouva Jamil près de la Kaaba, assis près de la Kaaba. Et il lui dit: oh Jamil, n'es-tu pas au courant? Il a dit quoi? Il a dit: j'ai embrassé l'islam. Et Ibn Omar, il rapporte, cette personne, il n'a même pas vérifié les dires de Omar. Il s'exécuta aussitôt, traînant ses habits, et il s'écria, et il a dit, lui, Omar ibn Khattab, mon père, il est en train, il le suit, et moi, je suis mon père, et Jamil ibn Omar, il est en train de crier: oh, ma'ashara Quraysh, ya ma'ashara Quraysh, oh, communauté de Quraysh, laqad saba'a Omar, Omar a apostasié votre religion. Et Omar le suit, il dit: non, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad al-Rasulullah.
jusqu'à ce que l'information elle s'est répandue d'une vitesse. Les Quraysh se sont regroupés, ils se sont jetés sur Omar ibn Khattab. Ils se jetèrent sur Omar. Coup pour coup, eux ils frappent et lui ils frappent, eux ils frappent toute une journée. Jusqu'à ce que Omar s'épuisa, il n'a pas pu vraiment, il n'a pas pu résister. Il n'a pas pu, il a su qu'il ne peut pas lutter davantage. Là il les regardait autour de lui, puis il a vu, il cherchait le plus noble parmi eux. Il a trouvé Ibn Rabi'a, Utba ibn Rabi'a. C'est le plus noble parmi eux. Il l'a saisi, il l'a mis par terre et il a mis ses deux doigts sur ses yeux. Il frôle en ses yeux, il dit écarte-les, écarte-les. Et Utba, il s'est écrié éloignez-vous, éloignez-vous, il va me crever les yeux, il va me crever les yeux. Il le lâcha. Il lâcha Utba ibn Abi Rabi'a. De nouveau, ils veulent se jeter sur lui. Il ressaisit encore Utba ibn Rabi'a. Il met ses doigts sur ses yeux. Il a dit éloigne-le. Et ils se sont éloignés. Le lendemain, depuis qu'il a embrassé l'islam, il l'a montré, il l'a divulgué à tout le monde. Il a pris certaines feuilles du Coran et il lit à haute voix près de la Kaaba. Ils se sont réunis autour de lui. La même chose, il a pris l'un de leurs notables, il l'a mis par terre, il a mis ses deux doigts sur ses yeux. Alors là, Omar, radiallahu anhu, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de l'Arqam ibn al-Arqam et lui dit, ne sommes-nous pas des musulmans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, si. Ne sont-ils pas des koufars? Ne sont-ils pas des mécréants? Il a dit oui, ce sont des koufars. Il a dit alors, pourquoi alors cacher notre islam? Pourquoi cacher notre islam? C'est pour ça déjà. Il y a un détail que j'ai oublié, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu que Omar rentre en islam. D'après un hadith rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Allah, rend l'islam puissant par la conversion de l'un des deux Omar, Omar ibn Khattab ou Amr ibn Hisham, Abu Jahl, Amr ibn Hisham. Pourquoi? Parce que c'était des deux hommes, ils ont des caractères résolus. C'est des hommes qui vont loin. Quand ils décident quelque chose, ça y est, personne ne peut l'arrêter dans sa voie. Et il faut quelqu'un comme lui, il faut un homme qui est... un homme fort, un homme solide, un homme résolu, un homme qui va loin. Il faut un homme comme Omar ibn al-Khattab. Il manque ce membre-là dans le groupe qui est dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé le vœu et Omar ibn al-Khattab s'est converti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, quand il a entendu Omar, il a appelé Hamza et les adeptes qui sont convertis, qui sont dans la maison de l'Arqam. Il a choisi parmi eux les plus nobles, 40 hommes, des plus nobles parmi ceux qui ont embrassé l'islam. Et il les a partagés en deux rangs. À la tête du rang, Hamza ibn Abd al-Muttalib. À la tête de l'autre rang, Omar ibn al-Khattab. Et ils sont sortis armés. Et ils sont sortis et ils ont fait le tour de la Kaaba en s'écriant La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar. Et là la da'wa elle est passée de l'étape secrète à l'étape publique. Maintenant la propagation elle est plus secrète, maintenant c'est devenu publiquement, on propage, publiquement, on vous montre qu'on est des hommes, qu'on a gagné même les notables de Quraysh et qu'on peut se protéger, et qu'on peut se soutenir, et qu'on peut former vraiment un groupe. Là, les Quraysh s'étonnèrent. 40 hommes parmi les notables. Il n'a pas laissé sortir avec eux ni les esclaves ni autres. Les notables, les nobles de Quraysh. Ibn Mas'ud, dans un hadith, a dit « On a trouvé la fierté depuis qu'Omar a embrassé l'islam. » La fierté du
des croyants, il a été retrouvé par la conversion de Omar ibn Khattab. Là, les Quraysh sont tombés dans un immense accablement quand ils ont vu cette manifestation. Et alors, ils accentuèrent leurs hostilités envers les compagnons et envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, Abu Jahl, il alla trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit. Il lui dit, oh Mohammed, à partir d'aujourd'hui, si tu insultes nos divinités, nous insulterons Allah. Il a dit une chose que inhabituelle mais chez le Quraysh. Personne n'insulte Allah. Parce que eux, ils respectent Allah, ils le vénèrent, ils l'adorent. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils jurent par Allah. Mais ils lui associent les divinités telles que Lat ou Al-Uzza et tout. C'est une chose vraiment inhabituelle même chez les Quraysh. Et pourtant là, Abu Jahl, il a osé dire cela, il a osé dire, maintenant, si tu insultes nos divinités, on va insulter Allah lui-même. Subhanallah. Bien que vraiment, il vénère Allah subhanahu wa ta'ala, et même dans les situations critiques, ils invoquent Allah directement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte, une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'ils lui donnent des associés. Quand ils sont dans une situation critique, ils s'adressent directement à Allah. Ils s'adressent directement. Ils oublient Lat ou Al-Uzza, Manat, Zul-Khulasa, ils oublient tout ça. Ça y est, quand ils sont sur un bateau, ils invoquent directement Allah, contrairement à ceux de notre communauté. Dans des situations critiques, Ya Sheikh Al-Badawi, Ya Sheikh Tijani, Ya Sheikh. Dans la situation critique, Subhanallah. Ça montre que les associateurs de notre époque, ils sont pires que ceux de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ceci, quand Abu Jahl, il a menacé d'insulter Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Ils insulteraient Allah par représailles sans la moindre science. Il ne faut pas les insulter, il ne faut pas insulter leur divinité parce qu'ils risquent d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et on peut déduire de ça, on peut déduire quoi? C'est-à-dire, le fait d'insulter les divinités, c'est quoi? C'est changer à mal. C'est changer à mal. Quand on insulte l'As ou l'Uzza et puis les kuffar, ils disent, cette divinité va te faire du mal, tu vas être touché par le mal et tout. Et après, quand ils découvrent que tu n'es pas touché par le mal, ils risquent d'oublier ces divinités, ils risquent de se désavouer de ces divinités, de ne plus les adorer. Donc c'est un mal qu'on change. Le fait d'insulter ces divinités, c'est-à-dire les rabaisser, qu'ils ne valent rien, c'est juste des pierres. Donc c'est un mal à changer. Mais puisque ce mal va aboutir à un mal plus grand, c'est-à-dire que les kuffars vont insulter Allah, on ne change pas ce mal-là. Une des règles de l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, une des règles du changement de mal. Quand on change un mal et qu'il aboutit à un mal plus grand, on ne le change pas. Une des règles. La preuve, ce verset-là. Alors, durant cette période, durant cette étape de la da'wah publique, se sont succédés des événements, parmi lesquels c'est que Uqba ibn Abi Mu'ayyid, l'un des chefs de Quraysh, il a voulu détendre cette atmosphère. Il y a une atmosphère de tension, un rapport de force entre les Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il a voulu détendre cette atmosphère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Uqba a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu le repas, quand on présenta le repas devant lui, il a dit, je ne mettrai pas ma main. Sauf si tu témoignes, la ilaha illallah, et
que je suis le messager d'Allah. Sinon, je ne mangerai pas. Uqba ibn Abi Mu'ayth, il a essayé de changer de discussion, il a essayé d'insinuer rien. Il n'a pas pu. Le professeur sallam, il insista. Tu veux que je mange? Tu témoignes. La ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah. Chez le Quraysh, on sait que parmi les bonnes valeurs de Quraysh, c'est le respect du voisin, de l'invité. Et qu'il faut qu'il sorte de chez toi satisfait. Ça fait partie des bonnes valeurs de Quraysh. Alors pour que son hôte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mange, il a dit d'accord. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Il a témoigné pour qu'il mange, rien que pour qu'il mange. Là, la nouvelle, il s'est répandue chez les Quraysh. Qu'Uqba ibn Abi Mu'ayth, il a témoigné. Il a prononcé le shahada. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu qu'il le dise même par sympathie. Parce qu'il se peut qu'il le dise et que ça tombe dans son cœur. La même histoire est arrivée à Hamza. Il l'a dit, c'est échappé de sa langue. Hein? C'est échappé quand Hamza il a voulu défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est adressé à Abu Jahl, il dit atasubbuhu wa ana ala din, et tu l'insultes alors que je suis de sa religion, juste par jalousie, mais après Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'attendait que Uqba ibn Abi Mu'ayth se convertisse. Mais là, la nouvelle s'est répandue chez les Quraysh, et ils sont tombés dans un immense accablement, surtout Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, qui était son ami intime. Alors là, il alla voir Uqba ibn Abi Mu'ayth. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne me verras plus, tu ne m'adresseras pas la parole et je ne t'adresserai pas la parole. Mon visage et ton visage ne se rencontreront jamais après ça. Sauf si tu retournes chez Mohammed et tu craches sur son visage et tu l'insultes. C'est la seule condition pour gagner la sympathie de Quraysh et l'amitié pour qu'ils te font rentrer dans leur clan. Là, Uqba ibn Abi Mu'ayth, il s'est mis dans un piège. Ou bien il perd le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il perd le clan de Quraysh, le notable de Quraysh. Et le malheureux a choisi de perdre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il alla trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il cracha sur son visage et l'insulta. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'essuyer son visage. Puis il a dit, si je te retrouve à l'extérieur, ou si je te retrouve à l'extérieur des montagnes de la Mecque, je te couperai la tête. Le prophète sallam lui a dit ça. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, après, il a fait révéler à son propos, à propos de Uqba ibn Abi Mu'ayth et Ubay ibn Khalaf, les versets suivants. وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. Malheur à moi. Hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Je n'avais pas pris un tel pour ami. Ubay ibn Khalaf. لقد أضلني عن الذكر بعد إجاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا. وكان الشيطان للإنسان خدولا. Il m'a en effet égaré loin du rappel après qu'il lui soit parvenu ce rappel, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé, la suite du verset, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Il a failli être guidé. Mais il n'est pas rentré dans la guidée d'Allah comme Hamza. De même que le Walid ibn al-Mughira, il a failli être guidé, mais après, il a tourné le dos. Ubay ibn Khalaf,
celui qui est intervenu pour égarer son ami, pour l'éloigner du professeur Aslam, était aussi très virulent envers les musulmans. Un jour, il alla voir le professeur Aslam avec un os, un vieil os, qu'il cassa en morceaux et le fragmenta jusqu'à le réduire en poussière. Et il jeta toute cette poussière sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dit, c'est toi qui prétends qu'Allah va nous ressusciter à partir de cette poussière. C'est toi qui prétends qu'Allah va nous ressusciter après cette eau, il s'est transformé en poussière. Allah va nous ressusciter à partir de cette poussière. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à son propos. أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, qui? Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie, il se connaît parfaitement à toute création. Qu'est-ce qui est plus dur? C'est de créer à partir de rien ou à partir de matière déjà préexistante, à partir de poussière ou d'os, bien que la première création et la deuxième création, elle est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, devant cette religion qui commença à gagner davantage d'adeptes, Hamza et Omar et Othman, Là, les notables de Quraysh, alors, ils ont un conseil dans la maison de Nadwa, la maison où on se consulte. Dans la maison de Nadwa, pour définir une politique commune entre eux et le professeur Hassan, c'est-à-dire un accord qui satisfait les deux clans. Ils convoquèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui ont dit, « Oh Mohammed, on t'a fait beaucoup de propositions, et à chaque fois tu refuses. Maintenant, on te fait une nouvelle proposition, mais c'est vraiment la plus lourde. C'est vraiment une concession, un sacrifice de notre part. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Laquelle, cette proposition ?» Ils ont dit, quand on t'a vu insister dans cette religion, on a fait une décision, c'est que tu adores nos divinités un jour, et on adore Allah un jour. On partage moitié-moitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu non, c'est un jeu, l'aqida. C'est un jeu de aujourd'hui je prends les vêtements de la mécréance et demain j'enlève l'habit de la mécréance et je porte l'habit de l'islam. C'est un jeu, c'est des vêtements. C'est pas un jeu, l'aqida. Ils lui ont dit, on adore Allah une semaine et tu adores nos divinités un jour. Il a dit non. Ils ont dit, tu adores nos divinités un jour et on adore Allah un an. Pas de concession quand il s'agit de dogme, pas de concession quand il s'agit de aqida. Il a dit non, et Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. Pas de concession quand il s'agit de l'aqida. Pas de concession. Aujourd'hui j'adore Allah et demain j'adore tel cheikh ou tel wali. Non. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé, ô vous, dit, قل يا ايها الكافرون, dit, ô vous les infidèles,
Je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion. Et à moi, ma religion. Bara, le wala ou le bara. L'alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça. La ilaha illallah, à chaque fois qu'on dit la ilaha illallah, mettre dans la tête nafi wa isbat. Négation et affirmation. La ilaha, je n'adore pas. Je ne me soumets pas. Je n'obéis pas. Illallah, j'adore Allah. Je me soumets à lui. D'accord? Nafi wa isbat. Négation, se désavouer des autres divinités, de leur loi, et adorer Allah l'unique, l'adorer par l'amour et la vénération et la crainte et tous les actes du cœur, l'adorer par la prière, l'adorer en obéissant à ses lois, l'adorer en se prosternant devant lui, subhanahu wa ta'ala. Et à propos de ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé « Waddu, law tudhinu, fayudhinun ». Ils veulent que si tu fais des concessions, si tu te rapproches d'un pas, nous on se rapproche de plusieurs pas. Les kuffars, ils veulent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah dit d'eux, ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Ils veulent que tu fasses des concessions pour eux, pour qu'ils fassent davantage de concessions. Il veut que tu te rapproches pour que eux ils se rapprochent plus de toi. Mais il n'y a pas de concession s'agissant de l'aqidah. Là, les hostilités s'accentuèrent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout de la part de ses voisins. Là, quand vraiment il n'a pas voulu adorer leur... Même quand ils lui ont proposé d'adorer Allah une année et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adore leur divinité un jour, il a refusé. Là, les hostilités s'accentuèrent, et surtout de la part de ses voisins, à savoir Abu Lahab, son oncle, Al-Hakam ibn Abi Al-As, Uqba ibn Abi Mu'ayt et Adi ibn Abi Hamra Al-Thaqafi. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ses voisins, à chaque fois, ils jetèrent des ordures, chaque fois qu'on égorge une chamelle, on jette les tripes à côté de chez lui. Imagine-toi que si tu as un seul voisin qui est mauvais envers toi. Imagine. Alors qu'en est-il s'agissant de tous les voisins, tous ceux qui sont à côté de lui, ils jettent des ordures à côté de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il sort, il prend ça, il le jette ailleurs, il dit, c'est ça le droit du voisinage. Quel voisinage, gens de Quraysh. Ça, c'est l'aide à les hostilités, ce qu'a enduré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ce qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part des koufars de Quraysh, c'est qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière à côté de la Kaaba. Et Abu Jahl, avec tous les Quraysh, plein de remords, regardant le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, et Abu Jahl alors, il aperçut les entrailles d'une chamelle qui a été égorgée la veille. C'est les entrailles de la chamelle, les tripes, avec la chaleur, ça donne une mauvaise odeur. Et puis là, en rigolant, il lança, qui parmi vous prend les entrailles et les met sur la tête de Mohammed quand il se prosterne? Il plaisante, chacun, il pousse l'autre, allez, c'est toi qui le fais, non, c'est l'autre qui le fait. Et alors là, Uqba ibn Abi Mu'ayt, il s'est mis volontaire. Il a pris les entrailles, le professeur sallam, il a attendu que le professeur sallam se prosterna, et il a mis tout ça entre les épaules du prophète sallam et sur sa tête. Le sang, les excréments, toute cette saleté sur la tête noble du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils éclatèrent de rire quand ils ont vu la scène. Le rapporteur de hadith, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui regardait la scène, il a dit, je les ai vus tellement, ils éclataient de rire, que chacun d'eux, il se penche sur son voisin. Et là, Fatima est venue, Fatima, radiallahu anha,
est venu en pleurant et a enlevé les entrailles de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, comment ce comportement, on arrive jusqu'au point de jeter les saletés sur le meilleur, sur le guide de l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir levé sa tête, il a dit « Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Abi Jahl, Allahumma alayka bi Utba ibn Rabi'a, Allahumma alayka bi Uqba ibn Abi Mu'ayt, Allahumma alayka bi Umayya ibn Khalaf, wal Walid ibn Utba. » Il a dit « Venge-toi sur ces gens-là. Allahumma alayka bi Fulan, Allahumma alayka bi Fulan. » Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il se venge, pour qu'il lui montre des signes sur ces gens-là. Comment ils ont malmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le rapporteur de ce hadith, dans les deux sahih, al-Bukhari et al-Muslim, a dit, par celui qui a envoyé Muhammad avec la vérité, tous ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommés ont été tués par les musulmans. Ont été tués par les musulmans et leurs cadavres traînés et jetés dans les puits de Badr. Tout ce qu'a énuméré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une leçon à déduire. Une leçon parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah pour qu'il se venge de ces gens-là. Il a invoqué à quand ? Avant le hijra, avant l'immigration vers Médine. Ce n'est que des années plus tard qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son dua. Ça veut dire que la personne, il ne doit pas s'impatienter. Il ne doit pas... le professeur Hassan, dans un hadith, il dit qu'Allah il exauce le dua d'une personne s'il ne s'impatiente pas. S'il ne s'impatiente pas. Et les compagnons ont dit au professeur Hassan, comment il ne s'impatiente pas? Il a dit, c'est-à-dire, il dit, oh Allah, je t'ai demandé, je t'ai invoqué et tu ne m'as rien donné. C'est ça le fait de s'impatienter. Donc, l'une des règles du dua, c'est que la personne, il ne doit pas s'impatienter, il doit patienter, il doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et attendre avec conviction la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, avec la crainte d'Allah qu'il a, avec sa croyance et son invocation, son vœu, il fut exaucé des années plus tard. Alors qu'en est-il s'il s'agit de nous, plein de péchés? Parce que le péché, c'est l'un des obstacles qui fait obstacle entre que le da'wah n'arrive pas au ciel. Parmi les événements, c'est que le nombre des émigrants en Abyssinie s'est accru. Ceux qui n'ont pas, surtout ceux qui n'ont personne pour les protéger, n'ont pas vraiment de famille, de nobles pour les protéger, ont émigré et ils avaient atteint le nombre de 80. Ils adoraient Allah librement en Abyssinie sous la tutelle de Najashi, du Négus. Entre-temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla les derniers versets de la sourate An-Najm. Sourate An-Najm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exprès, il a attendu jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui se réunit devant la Kaaba. Et parmi ce monde-là, les notables de Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et récita les versets de sourate An-Najm. Surtout la fin. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. C'est lui qui a fait rire, qui a fait pleurer, c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie, et c'est lui qui a créé les partenaires du couple de mâle et femelle d'une goutte de liquide éjaculé, et que la seconde création lui incombe. Et c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَ. Et c'est lui qui est le seigneur de Sirius. Sirius, c'est une étoile, un astre qui est adoré par certaines tribus
la tribu de Khuza'a, wa annahu huwa rabbu ash-shi'ra, l'étoile que vous adorez, lui il est le seigneur, il est le seigneur de Cyrus. Wa annahu ahlaka 'adan, wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa Thamud fama abqa wa qaum Nuh min qablu innahum kanu hum azlama wa atgha wal mu'tafika ahwa faghashaha ma ghasha. Et c'est lui qui a fait périr les anciens Ad ainsi que les Thamoud, et qu'il fit que rien n'en subsistait, ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils avaient témoigné d'injustice extrême et d'outrance. Celui qui plongea dans l'abîme la cité subvertie, quand la recouvrit ce qui la recouvrit. والمؤتفكات أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? هذا نذير من النذر الأولى, une alarme parmi celles données en premier. أزفة الأزفة, l'imminente l'heure du jugement s'approche. ليس لها من دون الله كاشفة, rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Afamin hadha al-hadith ta'jabun, quoi, vous étonnez-vous de ce discours? Wa tadhakuna wa la tabkun, et vous riez au lieu de pleurer. Wa antum samidun, absorbé que vous êtes par votre distraction. Il dit ça à haute voix devant tout le monde. Wa antum samidun, absorbé que vous êtes par votre distraction. Fasjudu lillahi wa'budu, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se prosterna. Les croyants se prosternèrent quand ils ont entendu ce verset. Fasjudu lillahi wa'budu. Les kuffars de Quraysh, les notables, ils étaient emportés par ces versets. Ils se sont prosternés eux aussi. Ils se sont prosternés eux aussi. Dans une version, il n'y a qu'un vieillard qui n'a pas pu courber son dos. Il a ramassé un morceau de sable et un tas de sable. Et il l'a mis sur son front. Il a dit, ça me suffit. Tout le monde s'est prosterné devant ces versets. Tout le monde a été attiré par ces versets, y compris les kuffars. Les kuffars de Quraysh, eux, avant, ils mettaient les gens en garde contre ces paroles-là. Maintenant, c'est eux qui commencèrent à être touchés par ces paroles-là. Et ils se prosternèrent. Ils se prosternèrent, l'information, elle s'est répandue jusqu'à parvenir en Abyssinie. En Abyssinie, les musulmans qui sont en Abyssinie, ils ont entendu que les Quraysh, ils ont embrassé l'islam. Ils ont cru que par cette prosternation, ils ont embrassé l'islam et que ce n'est pas la peine de rester en Abyssinie. Et parmi eux, il y en a certains qui ont fait demi-tour, c'est-à-dire qui se sont apprêtés à revenir à la Mecque. Sont retournés à la Mecque, mais alors arrivés à la Mecque, les émigrés se rendirent compte que c'est une fausse nouvelle et que leur prosternation est due à l'effet de ces versets sur leur cœur. Et il y en a qui se sont retournés, il y en a qui sont restés. Certains se décidèrent à retourner, à immigrer de nouveau, et ce fut la deuxième émigration en islam. La première vers l'Abyssinie, la deuxième aussi vers l'Abyssinie. Durant cette deuxième émigration, certains musulmans ont joint les émigrés. C'est-à-dire au cours de cette émigration, il y en a d'autres musulmans qui sont allés. Ça veut dire qu'il y a deux sortes d'immigration. Cette émigration, c'est quoi? C'est l'immigration d'un pays où on vit en insécurité vers un pays où on se sent en sécurité. Ça, c'est la première sorte d'immigration. La deuxième sorte, c'est un pays de la mécréance vers le pays de l'islam. Les savants, ils ont ajouté d'un pays où tu ne peux pas pratiquer ta religion
vers un pays où tu peux pratiquer ta religion. Et les savants, ils ont ajouté une autre sorte d'immigration, c'est-à-dire de d'immigrer d'un pays où il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de bid'ah, vers un pays, du pays de la bid'ah vers le pays de la sunna. Comme ont fait certains savants quand il y avait les Mu'tazilites en Irak, et que les Ahl Sunna ils étaient séquestrés, ils ont sorti cette fatwa d'autoriser aux musulmans d'émigrer du pays de Bid'a vers le pays de Sunna. Après cet événement, ça y est, maintenant ça atteint un degré où les kuffars se prosternent, ils décidèrent d'isoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, c'est-à-dire jeter l'interdit sur eux, ce qu'on appelle le muqata'a. Jeter l'interdit sur eux, personne ne devait ni acheter ni vendre quoi que ce soit aux musulmans et ceux qui les soutiennent. De même personne ne pourrait épouser une de leurs femmes, ni donner sa femme en mariage, sa fille, si vous voulez, ni donner sa fille en mariage à un de leurs hommes. C'est-à-dire une rupture totale. Pas de commerce, on ne se marie pas avec eux et eux ils ne se marient pas avec nous. Rupture, muqata'a. Les musulmans et ceux qui soutiennent les musulmans, on jette l'interdit sur eux. Là, Abu Talib, quand il a vu ce qu'ont décidé le Quraysh, il a réuni les Bani Abd al-Muttalib, les fils de Abd al-Muttalib, et les Bani Abd Manaf, les fils de Abd Manaf, et les Bani Hashim. Il a dit, vous agréez ce qu'ont comploté les Quraysh? Ils ont dit non. Ils ont dit non, ils ont répondu non, et ils décidèrent de soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, si eux, ils ne veulent pas faire du commerce avec toi, nous on le fera. Si eux, ils ne veulent pas négocier avec toi, nous on le fait. Nous on te soutient, nous on est avec toi. Alors là, Abu Jahl, quand il a su ce qui s'est passé, que Abu Talib, il soutient encore son neveu, il a dit, vous avez vu que Abu Talib il soutient son neveu, on jette l'interdit sur Bani Abd al-Muttalib. Et sur Abu Talib, et sur Bani Hashim, on ne fait plus de commerce, ni avec le prophète, ni avec les compagnons. On jette l'interdit sur les Bani Hashim, les Bani Abd al-Muttalib et Abu Talib. Rupture totale avec tout un clan de Quraysh. Et alors là, à cette occasion, un document fut rédigé dans ce sens. La première phrase qu'ils ont écrite, c'est Bismikallahum, en ton nom, ô Allah. Ils ont commencé, mais juste après, il n'y a que de l'injustice. Il n'y a que cette belle phrase qui est bonne. Les articles qu'ils ont fait, bon, ils ont marqué des articles. Salam. Premier article, personne ne vend quoi que ce soit à Bani al-Muttalib, à Bani Hashim et Bani Abd al-Muttalib. Et ceux qui les soutiennent, personne ne leur achète quoi que ce soit. Personne ne se marie avec une de leurs femmes. Personne ne donne sa fille en mariage à l'un d'eux. C'est-à-dire des lois, des articles. Et même si quelqu'un de l'extérieur de la Mecque, il ramène sa marchandise et il veut la vendre à Bani al-Muttalib, on l'arrête, on lui propose le double prix et les Quraysh l'achètent pour vraiment accomplir cette rupture, pour vraiment que rien ne parvient à Bani Hashim, ni à Bani al-Muttalib, ni à Bani Abd al-Muttalib. Et cette déclaration, pour vraiment donner de la valeur à cette déclaration, il fut solennellement suspendu à l'intérieur de la Kaaba. Voilà pour montrer le caractère sacré de cette alliance. Rupture totale contre le clan de Abu Talib. Là, Abu Talib, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les Bani Hashim, les Bani al-Muttalib, hommes,
femmes, enfants, et il s'est retiré à l'extérieur de la Mecque dans un vallon qui s'appela vallon de d'Abu Talib. Shab Abi Talib. Ils se sont retranchés loin de la Mecque pour se souder les coudes, quoi, pour se soutenir, pour s'entraider. Ils se sont retranchés, ils se sont retirés. Jusqu'à quel point Abu Talib a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à quel point les Bani Hashim, dans leur mécréance, et Bani Abd al-Muttalib, la majorité d'entre eux n'ont pas embrassé l'islam, mais l'honneur, leur honneur, la fierté des Arabes, ils n'ont pas voulu baisser les bras. Abu Talib, il a su que son fils et son neveu est véridique, donc il le soutient jusqu'à la mort. Et il l'a soutenu. La situation est tellement grave qu'ils demandent vraiment qu'ils s'assurent mutuellement la sécurité, ils échangent la nourriture, et commence alors le blocus. Blocus économique et social, si vous voulez, ou la mise au ban du clan d'Abu Talib. Ce blocus a duré 3 ans. 3 ans il a duré, 3 ans d'isolement, pendant lesquels les musulmans souffrirent de la faim. Et de la privation. Pas seulement les musulmans, mais ceux qui les ont soutenus. Malgré ceci, ce blocus il ne fut pas respecté vraiment à la lettre. Parce que, certains notables de la Mecque n'hésitaient pas à apporter des aides, mais discrètement. Il y a le lien de parenté, il y a beaucoup de liens de parenté avec les Bani Hashim, Bani Abd al-Muttalib. Donc, ils gardèrent ce lien. Ils envoyèrent la nourriture, ils envoyèrent des chameaux pleins de marchandises la nuit. Ils envoyèrent ça la nuit, c'est-à-dire parmi ceux qui essayaient de leur porter secours, Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, à l'époque, il n'était pas musulman. Mais malgré ça, il aide les Bani Abd al-Muttalib. De même d'autres personnes telles que le Mut'am ibn Adi et d'autres qui ont soutenu les Bani al-Muttalib malgré ce blocus. La prochaine fois, on va aborder la suite de ces événements-là. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك